called up. Got on. Call. Avantage Lender. Égalité. Avantage, Lennon. Égalité. Égalité. Et une balle de break, une balle de 2-0 pour Claire sur le service de Lindell. Égalité. S'il vous plaît.
Asseyez-vous. Merci. Nouvelle balle de 2-0 pour l'Argentin. Jeu clair. Clair mène 2-0 dans la première manche. José-Louis Clair a fait le break. Il mène par 2-0. C'est à lui de servir alors que le public revient sur le court central. Il faut dire que normalement, le spectateur était là depuis 11h30. Ils ont attendu la fin du match Borg-Pecci et puis ils sont allés manger et se désaltérer un peu. C'est bien logique. Prenez vos places, s'il vous plaît. Et les spectateurs reprennent les places alors que, certes, José-Louis Clair mène par 2-0 à la marque, mais le match n'est pas vraiment lancé. Prenez vos places, merci. Il fut un temps où les spectateurs reprenaient leur place au changement de camp, ce qu'on devrait faire en principe. Ce n'est plus le cas maintenant. Clair mène 3-0 dans la première manche. Clair, après avoir pris le service de Lindell, a gagné le sien en suivant 3-0. L'écart paraît important, mais Lindell n'a perdu qu'un service. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que Clair domine vraiment son adversaire. Non, mais tout de même, c'est lui qui a un ascendant. Et c'est intéressant maintenant de voir justement
quelle va être la réaction de Lendl pour essayer de réduire cet ascendant, car il se doit, Lendl, de réagir, et on va voir s'il arrive à le faire et comment il pourrait le faire. En fait, je crois qu'il devrait essayer de varier davantage son jeu. Actuellement, il n'a fait que des grands coups droits et de grands revers. Il n'a pas cherché ni à casser le rythme de la partie, ni à faire des amortis, ni à venir au filet. Toutes sortes de choses qu'il doit pouvoir faire justement pour essayer de réduire le léger avantage qu'actuellement, sur le plan de la domination du match, a pris Clerc. Veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Silence, merci. Lendl au service. Noah ou Petschi auraient plongé là. Au début de la partie, ce n'est pas un point décisif tout de même. Il paraissait plein de lignes. Jeu Lendl. Clerc mène 3 jeux 1 dans la première manche. Lendl qui vient de gagner son service et Clerc ne mène plus que par 3 jeux à 1, mais c'est l'Argentin qui va servir. Alors qu'on circule beaucoup dans les tribunes de Roland-Garros. Ce serait presque un flushing Lido. Il y a même un ballon dirigeable qui se vole par moment le stade, enfin un peu à côté. Mais il faut dire qu'il n'est pas très bruyant. Clerc au service. Zéro.
0. Pour Claire face à Lindel, on est loin de l'intensité de la première demi-finale entre Borg et Petit. Oui, alors qu'on avait remarqué sur le service de Lindel une réaction, il avait cherché à monter au filet, à changer un petit peu ce rythme de jeu. Sur le service de Claire, il est retourné dans... On voit ici Claire qu'au service, il est revenu dans une espèce de jeu où il s'est cantonné au fond du court et notamment... Il a fait beaucoup d'erreurs, comme ce retour dans le filet, alors que le service de Clerc ne justifiait absolument pas cette erreur. Clerc fait trop d'erreurs et sur ce jeu du fond du court, actuellement, c'est Clerc qui domine largement. Il est plus puissant, c'est lui qui distribue le jeu et il fait beaucoup moins d'erreurs que Lindel. Time. C'est l'heure, dit le juge de chaise, qui a l'air un peu enrhumé, mais c'est un peu le cas de tous les spectateurs ici à Roland-Garros, car on n'a plus souvent eu la pluie que le soleil. Pour l'instant, il n'est tombé que quelques gouttes, il ne pleut pas. Il n'y a pas de soleil, bien entendu. Ça paraît normal au mois de juin à Paris, mais il ne pleut pas, le match n'a pas été interrompu encore. Au service Lindel, qui est donc mené par un jeu à 4. Je Lindel. Clerc mène 4 jeux 2 dans la première manche. Stade que vous montre Jean Bescon. Claire au service, qui doit se dire après tout à ce petit jeu-là. Si je gagne encore deux fois mon service, j'ai gagné le set puisqu'il mène 4 à 2 et qu'il sert. Le lob
score le plus haut de tout Roland-Garros, mais bien sûr, la balle était en dehors des limites du terrain. Et oui, en voulant trop lifter, il l'a pris avec la tranche de la raquette. Et deux balles de 5-2 pour Claire. Claire qui n'a qu'une serviette parce que chaque fois il vient la chercher sur le dos de la siège du juge de ligne pour regagner son siège. 5-2 pour Claire face à Lindel. Un seul service perdu pour le Tchécoslovaque, mais peut-être c'est ce service perdu qui lui fera aussi perdre le set. Et au-delà de ce service perdu, beaucoup d'erreurs pour le Tchèque qui n'arrive pas à être plus solide, qui n'arrive pas à renverser le cours du jeu. Je crois que sur ces échéances droite-gauche, une des raisons pour lesquelles Clerc a l'avantage, c'est que Clerc arrive mieux, notamment sur son revers, à déplacer son adversaire à droite et à gauche. Lindel, lui, utilise surtout un revers croisé, son revers le long de la ligne est moins efficace que celui que peut faire Clerc. Et actuellement, cette petite nuance fait la différence dans la distribution du jeu. Lindel au service, le Tchécoslovaque est mené 2-5.
40-0. Claire mène 5, jeu 3 dans la première manche. Un José-Louis Claire qui semblait attendre tranquillement son service en se disant « Bon, je n'ai pas trop faire d'efforts sur celui de Lendl. J'ai fait le break, je vais mener 5-3. Et maintenant, c'est là qu'il faut jouer pour essayer de remporter ses premiers sets. Claire au service, l'Argentin mène par 5 jeux à 3. Et 2 balles de 7 pour Claire. Par 6 jeux à 3, l'Argentin mène 1-7-0. Alors que Pierre, on peut dire que. Première manche, Claire, 6 jeux 3. Oui, l'arbitre anticipait un peu. Il a lancé la deuxième manche et voici le score.